a dit que je ne suis pas BCAO. Mais pourquoi vous m'accusez que je suis BCAO? Coco. Oui, c'est qui? Bonjour, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous voulez quoi? S'il vous plaît, moi-même là, j'habite à côté quoi. Ouais, ouais. Je veux payer à crédit chez vous. Si vous pouvez me vendre Gary ton gros pot là. Non, 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 non. Je veux payer l'argent là. Non. Ma mère a refusé. Hein? Ma mère même n'est pas ici. Vous pouvez y passer. Non, je veux vous payer ça. Non, monsieur. Mais pourquoi vous faites ça? Vous ne pouvez pas me vendre à crédit. Monsieur, je dis non. Allez payer ça ailleurs. Il y a une dame qui vend à côté là aussi. Maroque, Maroco, Bontino Venaï, Azikongo. Et si je. Ah, ne m'a laissé les partir. Bonjour monsieur. Excusez-moi, vous connaissez un certain BCAO? BCAO, c'est pas une banque. Non, non, il doit y avoir quelqu'un dans le quartier qui se surnomme BCAO là. BCAO, non, aucune idée. Aucune idée. Bon, vous pouvez aller un peu devant demander. Ok, d'accord. Merci bien. Dites-moi, il a fait quoi? Non, non, nous sommes venus lui livrer du riz accompagné de lait. Waouh, waouh. Ouais. Riz accompagné de lait. Oui. Wow. Allez un peu devant demander. Ok, d'accord. À la prochaine. Merci. Oh, oh. Ça ici. Ça ici, ça ici. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous? C'est moi qui vous ai commandé du riz avec l'euro depuis. C'est parce que mon numéro était éteint. Raison pour laquelle vous m'appelez, ça ne marchait pas. Monsieur, nous sommes perdus parce que nous ne maîtrisons pas vraiment là où se situe l'intéressé. Mais dites-nous, c'est vous, monsieur BCAO en question? C'est moi, c'est moi. C'est parce que mon numéro était éteint. Raison pour laquelle vous m'appelez, ça ne marchait pas. Oh. C'est ici chez moi. Apportez-moi la nourriture, je veux manger. Oh, excusez-nous vraiment. Nous sommes vraiment désolés. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vous ai pardonné. Mais cette prochaine fois, ne faites plus ça. Parce que depuis, je vous attendais ici. C'est vrai. Amenez-moi la nourriture, je veux manger. C'est moi, BCAO. C'est moi. C'est moi. Êtes-vous sûr que c'est vraiment vous, monsieur BCAO? J'habite ici. J'habite là. Ok, monsieur, toutes nos excuses alors. Mais amenez-moi la nourriture, je veux manger. Pourriez nous rappeler ce que vous avez commandé, s'il vous plaît? J'ai commandé du riz avec un leuron. Je ne sais pas si vous avez mis 2 leurons dessus, mais j'ai commandé leuron quand même. C'est leuron que j'ai commandé. Ok, d'accord. Depuis moi, j'ai faim, mais c'est pas bien. C'est lui? Oui, c'est moi. Amène-moi ma nourriture. C'est quoi? C'est pas bien. Excusez-moi. Non, je vous ai pardonné déjà. Je vous ai pardonné. Merci. Hein. Depuis moi, j'attendais la nourriture. Bonsoir, pour manger. Monsieur. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Ça va. C'est quoi? C'est ce que je vous ai commandé là. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. C'est vous, monsieur Bessiao. Oui, c'est bien moi, BCAO. C'est moi qui vous ai commandé du riz avec le rond. Nous sommes désolés, monsieur, mais vous êtes en état d'arrestation pour sur mineur. Hein? Priez à nous suivre au commissariat. Ah, monsieur, j'ai fait quoi? Vous êtes en état d'arrestation pour mineur. Moi-même, là, mon vrai nom, là, c'est pas BCAO. Hein. Moi-même, je n'habite pas ici. Attendez, je ne comprends pas. Vous êtes là pour m'apporter la nourriture ou bien vous êtes là pour m'arrêter? Je vous ai dit que je ne suis pas BCAO. Mais pourquoi vous m'accusez que je suis BCAO? Vous avez bel et bien confirmé que vous êtes monsieur BCAO. Non, moi-même, j'attendais BCAO ici. J'attendais BCAO. Moi, je ne suis pas BCAO. Mais vous avez dit que vous avez amené Eleron avec du riz pour le BCAO, non? Pourquoi? Ah, si vous voulez, là. Ok. Et calmez-vous. Si vous voulez, on peut aller chez le délégué. Vous allez demander si je suis BCAO ou pas. Je ne suis pas BCAO. Hein? Il y a de l'adolescence chez le délégué. Vous pouvez aller chez le délégué demander. Je ne suis pas BCAO.